David Meriam, donc artiste depuis les années 90. Et là, donc, j'ai découvert le dessin sur sable en 98. D'abord pour le film d'animation, donc je travaillais tout seul. Après, j'ai fait un ou deux films d'animation. Et après, j'ai découvert, donc, je me suis lancé dans le spectacle avec des performances de dessin en direct. Donc là, c'est une variante, c'est-à-dire qu'on dessine en direct avec une image qui est projetée sur un écran en même temps, quoi. Et sinon, le dessin sur sable, c'est une technique particulière, puisque là, on joue avec la lumière sur une table lumineuse, sur une vitre, et ce sont les différentes couches de sable qui font le dessin. Donc plus il y a de sable, plus ça va être noir, et donc on peut avoir tous les dégradés depuis le blanc. Donc c'est avec du graphisme en noir, en blanc, avec des superpositions, des mouvements qui font de toutes sortes d'effets intéressants, quoi, avec la matière, le grain, etc. Pour mes spectacles, en fait, je les conçois un peu comme des films faits en direct. Donc je les prépare à l'avance avec une sorte de storyboard, des essais, une création de l'histoire d'images qui s'enchaînent. Donc la plupart du temps, les images s'enchaînent assez rapidement, quoi. Je les transforme, je les détruis, je les efface. Mais c'est pas juste un tableau, voilà, c'est plus comme un film avec une bande son toujours qui accompagne l'image. Alors l'installation du sable, c'est à la base donc une table lumineuse avec une caméra qui renvoie sur un écran. Et donc ça peut s'adapter à toutes sortes de dispositifs, que ce soit pour du théâtre par exemple, des concerts, ou l'événementiel, ou sinon la plupart du temps, en étant un spectacle autonome, tout seul sur scène, quoi. Et sinon, ça peut être accompagné de comédiens, de marionnettes, ou intégré carrément dans un spectacle de théâtre ou de danse.